Rencontre ce mardi au Parlement entre les membres de la Commission Justice et Sécurité du Sénat et le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius. Plusieurs dossiers ont été abordés dans le cadre de cette réunion, notamment la création de l'unité police communautaire. Les sénateurs membres de cette commission ont exprimé des préoccupations quant à la création de cette nouvelle entité qui, selon eux, ferait partie d'un plan suspect du pouvoir en place visant à politiser la police. Toute recommandation que nous faisons, nous dit que ensemble des unités, ça va avoir un cadre légal pour eux. Parce que la loi qui crée la police, là, ouais, DCPJ, en dans la loi qui crée la police, ouais, direction centrale police judiciaire. Donc s'il a créé une police communautaire, police tout, il n'y a pas un cadre légal pour lui. Et en même temps, tout, nous dit que les policiers qui débattent, les journalistes radio qui sont là, il faut le prendre disposition. Et en même temps, tout, nous dit que si on. Pour chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a une manifestation, nous demandons que ça finisse. Nous croyons que le directeur de police là, retire dans les yeux la population haïtienne, la société civile, le parti politique, tout le monde, puis que le PNH là, par une institution qui politise dans le premier ministre Lamotte, ni dans le président Martelly. Parce que déjà le PNH là, nous avons le mandat de 3 ans. La police pas dans question politique. Le responsable de la PNH a rejeté d'un revers de main ces allégations, qu'il a d'ailleurs qualifiées de graves. Politisation de la police, son perception liée, et c'est normal, nous avons une phase où nous avons un problème politique. Chaque monde suspecte l'autre. Moi-même, je suis attendu à ça. Je ne suis pas étonné. Mais tout est vrai, parce que débat, je ne dis pas penser que les gens ne peuvent pas inventer. Avec une bonne invention, je dis que la police communautaire que je fais. Son bon monde président Bayo fait pour y aller comme si espionner monde. C'est grave. Ça fait mal. M'oblige d'expliquer parce que on a sénateur, il a droit à l'explication. Et c'est ça qui fait me content de convoquer ici à inviter dans rencontre ça parce que ça bam possibilité pour me faire lumière sur ces deux points parce que toute bagaille dit qu'on y a, yo dit n'importe quoi. Mais c'est normal dans période de certitude, de troubles politiques ça yo. Pour qu'il y ait des suspicions de part et d'autre. Et la police, c'est l'hypocrite, puisque c'est nous qui force là, c'est nous qui avons des âmes, c'est nous qui avons intervenu, et c'est nous gardiens de la paix, c'est nous même qui là pour maintien de l'ordre. Et depuis, c'est dans le domaine ça, et quel que soit pays du monde, quel que soit côté, depuis qu'il y a manifestation, qu'il y a trouble à l'ordre public, la police a toujours là, moi je dis ça. Tout en tant que loi, constitution, tout le même genre, la police. C'est bras armés la justice. On ne juge pas qu'à l'arrêter au monde, ni même. Il va débarquer pour lui-même pour l'arrêter. C'est corps armé pour le bail mandat qui pour exécuter. Et la loi fait nos obligations. Cependant, la loi, constitution, dit dans qui moment et qui gens que le cas exécuté. Ça a fait une clé sous lui. Quel que soit, ce n'est pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire des considérations politiques nous-mêmes. Non, la police n'a pas pour le faire des considérations politiques. C'est ça que je demande à nous, sénateurs. Les gros problèmes, c'est au niveau de la justice. C'est l'autre pouvoir qui est en conflit. La police n'a pas entré là-dedans. Parce que la police lui-même, lui là pour exécuter ça, la loi lui-même lui dit. Les parquetiers ont mis fin ce mardi à leur mouvement de grève qui a duré 3 jours. Le commissaire du gouvernement voulait protester contre la façon dont Maître André Michel avait été libéré par des parlementaires. De leur côté, les avocats entendent intensifier leur suspension de travail visant à la révocation du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Francis Coronet. Le bâtonnier Maître Carlo Circule a convoqué pour mercredi 30 octobre une assemblée générale extraordinaire de tous les membres du barreau. Lundi, la grève des juristes a paralysé le fonctionnement du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le trésorier du barreau, Paul Rachel Cadet, soutient que la suspension illimitée de travail témoigne de la détermination du barreau à s'opposer à l'arbitraire. Et elle se réjouit que tous les acteurs de la basoche aient saisi la nécessité de s'impliquer dans ce mouvement qui vise à aider le gouvernement à comprendre la nécessité de rectifier le tir. Et en fait, l'action doit apporter une contribution au gouvernement dans sa mission à l'égard de la société, a insisté Maître Rachel Cadet, faisant valoir que le barreau n'est pas dans l'opposition face au gouvernement.
Interrogé sur un éventuel refus du gouvernement de satisfaire la demande du barreau, Maître Rachel Cadet juge qu'il faut accorder un minimum de crédit aux membres du gouvernement qui n'ont aucun intérêt à faire la sourde oreille à une demande juste. Dans leur grève illimitée contre le chef du parquet, les avocats qui bénéficient de l'appui des juges réclament également du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, la révocation du juge Lamar Bélisière pour avoir émis un mandat à l'encontre du juriste et opposant politique André Michel. Le désaccord entre les conseillers électoraux autour du calendrier électoral persiste. Le président du collège transitoire du Conseil électoral permanent, Maître Emmanuel Ménard, dans une correspondance adressée aux conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger, a affirmé que la demande d'annulation du calendrier électoral a été rejetée par les 9 membres du CTCEP. En réaction, le conseiller Léopold Berlanger a dénoncé la confusion entretenue par le président du CTCEP autour de ce dossier. Il révèle que les deux conseillers avaient formulé la requête à l'attention de leurs collègues qui n'avaient pas pris part au vote et que le vice-président du CTCEP, Marie Cluny-Dumé, avait, elle, fait abstention. D'après lui, les 6 membres ayant voté en faveur du lancement du pré-calendrier électoral ont maintenu leur position. Il juge nécessaire l'interruption de l'exécution de celui-ci qui souffre du triple déficit technique, politique et légal. D'autre part, il continue d'accomplir sa tâche en attendant le vote qui permettra d'établir le vrai calendrier électoral. La confusion causée affecte la crédibilité du Conseil, déplore M. Berlanger, qui n'entend pas se soumettre à une décision illégale. Plusieurs dirigeants de partis de l'opposition ont refusé de remplir les formalités prévues par l'organisme électoral. Les dirigeants du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, qui regroupe plus d'une dizaine de partis, n'ont pas pris part au processus d'inscription des partis. Ancito Félix, membre de la coordination de Fanmi Lavalas, a également confirmé que ce parti n'avait pas rempli les formalités d'inscription. Lancement ce mardi par le ministère de l'Économie et des Finances avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2014. Les données collectées à partir de ce recensement permettront au gouvernement de mieux définir ses politiques publiques que ce 5e recensement, qui durera environ 2 ans, permettra la création de 15 à 20 000 emplois. Le recensement général là, c'est une opération qui permet de gagner des données sur toutes les caractéristiques de la population. Il y a le dénombrement. Lorsqu'on fait un dénombrement, on compte la population. On sort de comptage. On compte combien de monde qui est dans la population. Mais le recensement est beaucoup plus loin. Il prend des informations sur toutes les caractéristiques de la population. Il peut savoir combien de monde qui n'a pas de travail, combien de monde qui a cherché travail, combien de monde qui est à l'école, et même monde qui est à l'école, qui est dans la primaire, qui est dans la secondaire, qui est dans l'université. Il peut savoir combien de monde qui est dans la primaire, là, est-ce que c'est dans l'âge pour dans la primaire vraiment, monde qui est dans l'université, est-ce que c'est dans l'âge pour dans l'université. Donc, il y a des informations sur l'ensemble des caractéristiques d'une population. Une population qui est très jeune jusqu'à présent. Donc, il y a plus de monde qui a moins de 21 ans dans la population. Et puis, il y a par exemple, et filles par exemple, yo moins fréquenté l'école que garçon yo, où je viens taux d'activité jusqu'à présent qui est très faible, donc pas grand pile monde qui travaille, taux de chômage là plus ou moins élevé. Donc ça yo même nous va le faire prochain recensement pour nous vérifier donner ça, est-ce que c'est même genre situation toujours été dans pays. Et faut me dire que recensement de 2003, il était bon 8 millions environ de monde dans monde qui vivent dans haïtien qui vivent sur territoire national là. Mais comme nous fait des projections de population, parce que le recensement, c'est chaque 10 ans pour le recensement. Nous faisons des projections de population. Actuellement, la projection urbaine, nous avons environ 11 millions d'Haïtiens sur le territoire national. Mais le recensement va permettre de nous infirmer ou confirmer l'information. Parce que c'est des projections de population que nous faisons. Projections basées sur des hypothèses, mais bon, avec des hypothèses scientifiques quand même, qui qu'on a nous environ 11 millions d'habitants. Le ministère des Travaux publics et de la Population a signé ce mardi avec 2 firmes étrangères le contrat de reconstruction de 27 km de route sur le tronçon Gonaïves-Henry. Financées majoritairement par la BID, les firmes dominicaines et vénézuéliennes chargées de l'exécution de ce contrat promettent un travail de qualité. Donc, nous-mêmes, l'idée dit que la qualité qui est plus bon parce que ça a demandé. En général, les offres appels d'offres, c'est des appels d'offres internationales.
La banque là c'est comme financement, banque interaméricaine de développement, banque mondiale, Union européenne, c'est des appels d'offres internationaux qui valable quel que soit film dans côté là. Donc en général, yo konda sa rele ka yo mande sa rele parti technique, analyse technique film là pour regarder expérience film là déjà ça le fait. Yo fait toute analyse ça devant pour voir si film là qualifié avant le bailon off. Yo sa rele off technique là, on y a gain off financière. Donc si film là pas de qualifié directement, il pas capable arriver là déjà. Tu comprends? Parce que nous même là que c'est nous même qui décider directement. Nous voyons le rapport d'évaluation, mais il faut le ratifier par Banque Interaméricaine de Développement. Il faut le reviser pour le d'accord, s'il d'accord avec le choix que nous faisons, l'analyse. Donc ça veut dire que nous passons au crible fin. Donc c'est pas question. Donc, même si c'est la première fois qu'il a intervenu en Haïti, mais il y a des expériences déjà dans le domaine routier. Laissez les films étrangers, il y a une provision là, peut-être légale que les films qui ont un contrat sont obligés de sous-traiter au moins 30% dans le marché. Hein. Avec des films locales. Nous ne pouvons pas arriver à ça. Donc, nous ne pouvons pas faire aller les âmes ou les exigences pour les employés haïtiens. Même si on est le maître haïtien dans le bon marché, si on a besoin. Parce que le film là, ce n'est pas pour philanthropiquement venir. Il vient pour faire bénéfice. Donc, lui-même, il est maître local là. Il y a des compagnies haïtiennes qui ont sous-traité des petits travaux, qui ont coûté le moins cher, qui ont fait plus de bénéfices. Donc, c'est certain qu'on est le droit d'utiliser le contact local là. C'est certain.